Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ce cycle sur les élections législatives à venir. Alors, j'ai bien reçu beaucoup, beaucoup de demandes, hein, beaucoup de questions, je suis encore en train de faire le point. Je crois qu'il doit y avoir plus de 200 demandes de questions par rapport à ces législatives. Vous êtes nombreux à me demander qui sera le Premier ministre. Mais avant tout, avant de dire qui sera le Premier ministre, la sagesse consiste à regarder comment vont évoluer les élections pour tel ou tel parti. Et c'est ce que je vous propose de faire dans un premier temps, avant de tirer des plans sur la comète et d'avoir le nom d'un Premier ministre. Je dirais que c'est accessoire le nom. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir eh bien, si la gauche va l'emporter. Si LFI va se retrouver solitaire malgré l'annonce d'un accord, est-ce que le RN va conclure un accord avec la droite LR, est-ce que le RN va être en tête Vous voyez, c'est beaucoup de petites questions. Et c'est ainsi que je compte répondre à vos interrogations. Quant à ceux qui me demandent si Emmanuel Macron sera à nouveau président lors d'une prochaine élection, j'ai déjà fait le tirage là-dessus. Et je vous invite à regarder et à le rechercher parmi les nombreuses vidéos que j'ai faites dans la playlist politique française. Je ne ferai pas de tirage encore une fois pour la même question. Vous, vous êtes nombreux à me reposer parfois des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Alors afin de me faire gagner du temps et donc en efficacité, je vous invite vraiment à regarder avant si les questions que vous vous posez n'ont tout simplement pas déjà été traitées. Alors, commençons, eh bien, par le RN. Regardons finalement comment va évoluer la campagne. Elle est courte, hein, cette campagne, trois semaines, même plus au moment où je vous parle. Donc une campagne très courte, et on peut s'interroger, comment va-t-elle évoluer? Est-ce qu'ils vont commettre un impair, Comment cette fin de campagne pour l'Union Européenne L'impair ne les a pas fait perdre beaucoup de voix. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, on... je pensais réellement qu'ils allaient faire 1 ou 2% de plus. Alors, au niveau de l'Union Européenne, ce n'est peut-être pas important. En France, ça le sera. Regardons. Et je pose la question assis à l'oracle. Comment va évoluer la campagne du Rassemblement national en vue du premier tour des élections législatives On pourra se poser ensuite des questions sur comment sera le gouvernement, quel profil auront tel ou tel ministre. Il y a, il y a plein de choses qu'on va pouvoir se poser. Et puis quelle sera l'action politique de ce gouvernement, quel qu'il soit, de gauche, de droite ou du centre. Il faudra bien voir. Alors le centre, bien forcément, ça serait un retour des macronistes. On peut se dire que c'est peu probable, mais on va tout analyser sur plusieurs jours afin de bien décortiquer. Je vous ai toujours dit, une bonne voyance ne se fait pas avec une question par huit noms. Ça, c'est de la voyance de bas étage. Une bonne question se fait par analyse de plusieurs petites questions. Et comme un entonnoir, vous aurez la réponse au final. Alors certes, ça prend du temps. Ça prend peut-être des fois plusieurs vidéos, mais c'est ainsi que l'on pourra avoir de vraies réponses. On sent quand même avec cette carte martienne. Je vous le rappelle, Mars, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui découvrent les explications sur l'oracle de Béline, Mars est donc le dieu de la guerre, on le sait tous. Mais une carte avec le septenaire de Mars, c'est une carte qui annonce une forme d'agressivité. Mais vous voyez, par rapport à la carte pour parler, pour ceux qui connaissent un petit peu le Bélin, la carte pour parler, c'est une carte où il y a un oiseau au centre et trois oiseaux qui tournoient autour. On pourrait dire à ce moment-là que la bataille, que les prises de bec, que les disputes vont se trouver entre plusieurs protagonistes. Là, ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'en fait, tout va se résumer à une bataille entre deux clans. Nul n'est bien grand devin de comprendre que l'on parle de la gauche et de la droite, de LFI et du Rassemblement national. Ce sont les deux partis moteurs placés aux deux extrêmes de l'échiquier politique. Quand on regarde ce qui va se passer, on a déjà, quand même, sincèrement, une vague idée de ce que vont donner ces élections et en tout cas de la situation actuelle. Prenons. Et les le Rassemblement national, tout le monde se bat. Parce que vous voyez, ici, nous sommes sur la carte du feu, ce qui montre des disputes, des tensions extrêmes. Et puis cette coupe, cette flamme qui est là, en plein milieu comme si un pyromane s'était amusé à l'allumer pour embraser le pays en réalité cette carte décrit bien la situation actuelle la flamme allumée par Emmanuel Macron le pays s'embrase regardez l'économie la bourse vient de chuter lourdement hier elle est encore en baisse aujourd'hui alors qu'elle avait une dynamique plutôt vers le haut l'économie va se mettre en panne. Non pas que l'économie va chuter, mais l'économie, vous savez que tout ce qui est économique n'aime pas l'incertitude. Un chef d'entreprise aime savoir où il va. Le pyromane vient d'allumer la dernière mèche pour mettre le feu à notre pays. C'est l'idée de quelque chose de volontaire, c'est l'idée de oui, on a allumé l'allumette et on a mis le feu. Et puis, on observe ce qui se passe. Je vous avais parlé d'une manipulation d'Emmanuel de, Macron, c'est tout à fait ça, on la retrouve exactement, parce qu'il savait que, d'un côté comme de l'autre, et les filles, et le Rassemblement national allaient s'affronter. Et vous noterez que nous ne sommes pas sur la carte pour parler encore une fois, donc nous n'avons que deux camps, et puis le feu, c'est beaucoup plus agressif que pour parler. Donc quelque part on pourrait dire que le RN a été conduit dans un piège le piège qu'on ne pouvait pas éviter, mais ils sont conduits quand même dans un piège. Regardons ce qui va aller contre leur campagne. Attention aux déclarations. Nous sommes en opposition avec Mercure. Mercure c'est tout ce qui est communication, réseau, contrat, dans le cadre d'une campagne électorale, forcément, la communication. Certains vont devoir peut-être bien réfléchir avant de parler. Et on a l'impression, avec cette carte entreprise, c'est de faire attention à ce qui se dira sur le monde du travail. Le RN devra être extrêmement prudent s'il si souhaite l'emporter, ou s'il si souhaite faire un maximum de voix vis-à-vis -vis de ses déclarations à propos du monde du travail. La carte, si vous le remarquez, est extrêmement claire. Mercure, donc communication, le mot entreprise, on y voit des outils et des plans. C'est le monde de l'entreprise. Aussi, si vous faites vous-même des tirages, eh bien, regardez, l'oracle de Béline est l'oracle qui vous parle le mieux, finalement dans ce type de tirage. Et profitez-en pour regarder. Vous pouvez télécharger dans la description qui est en dessous, là où pointe mon doigt. Vous ouvrez la description, vous pourrez au passage soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Mais vous avez des PDF gratuits à télécharger. Profitez-en. Vous avez un PDF sur l'oracle de Béline. Téléchargez-le, imprimez-le. Et puis au fur et à mesure des interprétations. En suivant les vidéos de la chaîne, vous pourrez vous faire votre propre livret à propos du Béline. Le conseil. C'est un conseil curieux, on me dirait. Nous avons la carte de la maladie. Bien sûr que non, l'oracle de Béline ne conseille pas. À, au rassemblement national de se porter pâle il ne lui conseille pas de tomber malade non mais regardez on y voit un oiseau enserré dans ses pinces dans ses serres un batracien et puis nous avons ici la lune c'est le septenaire des angoisses dans un premier temps, l'oracle suggère au RN, finalement, de bien maîtriser son sujet et de bien maîtriser ses adversaires. En réalité, son adversaire principal, on le sait tous, c'est Elefi. D'ailleurs, regardez les couleurs, on y voit du vert, on y voit du blanc, on se rapproche un petit peu des couleurs du drapeau palestinien. Et. L'angle d'attaque finalement pour le Rassemblement national face à Elephie, c'est de l'attaquer sur ses prises de position vis-à-vis -vis de la Palestine. Vous voyez qu'avec l'oracle, on arrive même à savoir, dans un conseil, comment faire, sur quoi communiquer. Et avec le septenaire de la Lune, eh c'est d'utiliser les mêmes armes que la gauche utilise vis-à-vis -vis du rassemblement national et là c'est de retourner la situation et de parler des choses qui fâchent qui divisent la gauche se saisir du sujet de la Palestine de le maîtriser et de le l'agiter pour faire peur aux français vous me direz c'est petit mais dans tous les camps politiques ça se fait toujours il y en a toujours un pour faire l'autre pour faire peur avec le parti de l'autre. Souvenez-vous à une époque quand François Mitterrand euh, a été élu en 1981. Si j'ai bonne mémoire, on annonçait presque les chars russes allaient débarquer sur les Champs-Élysées. Avec le recul, il n'en a jamais rien été. Donc vous voyez bien que quelque part agiter des peurs ça s'est toujours fait. Et bien là, le conseil de l'oracle c'est que le Rassemblement national agite la peur des prises de position concernant et les filles et la Palestine. C'est le point faible du camp adverse et c'est là-dessus que le Rassemblement national devrait porter ses coups. Mis à part ça, vous voyez qu'avec un oracle, on peut très bien savoir comment communiquer, ce qui peut poser problème et où frapper quand on a besoin de convaincre des gens, mais le conseil peut être aussi... Comment évoluer et prendre d'autres positions. Vous voyez que c'est un oracle extrêmement intéressant et un mode de tirage de tirage en croix qui fonctionne très bien. Le résultat de la campagne du Rassemblement national la carte hasard. Et nous avons le climat de cette campagne héritage. Nous avons deux cartes jupitériennes qui montrent de toute manière quelque chose de continu. Jupiter, c'est l'idée d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, de semaine après semaine, de mois après mois et d'année après année. C'est toujours l'expansion. Que dire du climat On fait abstraction de cette carte. Le climat, c'est héritage. En réalité, on va de toute manière, le camp adverse et les filles, les macronistes, en tout cas tous ceux qui ne sont pas du Rassemblement national, ne feront que de parler de ses origines comment il a été créé, par qui. En fait, on ne fera que parler de ce qui est le fondement du Front National, parce qu'il y a toujours un amalgame entre Front National et Rassemblement National. Donc vous voyez, on va reprocher, si j'ose dire, en gros, les origines du Rassemblement Front National. Pour autant, cette stratégie ne va pas fonctionner. Parce que nous avons ici la carte hasard. La carte hasard, qui est aussi une jupitérienne, donc, montre que finalement euh, les dés sont un petit peu jetés, si vous voulez. On ne maîtrise déjà plus rien. Que l'on soit pour le Rassemblement National ou contre le Rassemblement National, je dirais que les dés sont déjà jetés. Et que ce que l'on a vu au niveau des des élections européennes va se reproduire. Je dirais que le Rassemblement national va, pour moi, terminer en tête. Nous avons une campagne qui va, qui va ressembler étrangement, en tout cas un résultat qui va ressembler étrangement aux élections européennes. Non pas forcément sur le chiffre. On essaiera de déterminer sur le chiffre plus tard. On verra ça. Après, lors de d'autres tirages. Mais si vous regardez ici, nous n'avons pas de difficultés. Il n'y a pas. Nous aurions eu ici un septénaire, par exemple de la Lune. On serait dit, ils se sont ratés. On aurait eu Mars, là aussi. Mais en ayant une carte jupitérienne, on a l'impression déjà de progression, d'expansion. Je ne serais pas surpris et pour moi, ils vont dépasser les 31 et quelques pourcents, les 32 qu'ils ont fait il y a quelque temps. Donc on sent un rassemblement national extrêmement présent au niveau du premier tour. Ils vont réussir leur campagne. Ils vont de toute manière progresser encore. Et ce n'est que le début, parce que vous voyez ici nous avons l'expansion, ce qui sous-entend derrière que le second tour des élections législatives sera encore meilleur. Retenez bien, donc ceux qui annoncent dans les sondages entre 200 et. Allez, je vais prendre large. Entre 200 et 300 députés à l'issue des élections sont dans le vrai. Ils ont actuellement, je ne sais plus, un petit peu moins de 100 électeurs, je crois. Je suis désolé, j'ai oublié le chiffre, mais ce n'est pas très grave. On les sent vraiment bien au-delà de ce qu'ils sont actuellement, et en progression même entre les deux tours. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo, et la prochaine sera donc pour le camp adverse, pour la France insoumise. Je ne ferai peut-être pas tous les partis... Cette semaine, là, je vais regarder demain donc la France insoumise. Et puis on regardera comment vont évoluer la droite dans son ensemble, la gauche dans son ensemble, et le parti d'Emmanuel Macron. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.